Je m'appelle Ami Sukuna, j'ai 22 ans. Je suis encore en alternance dans un cursus scolaire et je suis aussi conseiller municipal à la ville de Mitrimori. On a été élu aux élections de mars 2020. Je commence à mettre des choses en place, etc. Je commence à avoir un secteur bien à moi et je commence à aussi beaucoup travailler sur le plan formation jeunesse de Mitrimori, dont un dispositif en particulier qui est la bourse permis. C'est un dispositif qui a été mis en place il y a maintenant 2 ans et demi de cela, voire 3 ans. Et chaque année on fait des commissions, on va vers les jeunes, on essaye de démarcher de jeunes, on fait une sorte d'appel à candidature pour avoir des participants à la bourse permis. Donc c'est un financement de 600 euros. Donc il y a une première partie de 200 euros qui sera versée quand le jeune passera le code. Puis il y a une autre partie de 400 euros qui sera versée quand le jeune sera à la conduite. Donc au total, ça fait 600 euros et le jeune doit être obligatoirement mitrien et il peut s'inscrire dans l'auto-école de son choix tant qu'elle est sur Mitry. Et du coup, en contrepartie, la ville veut que le jeune fasse 35 heures de bénévolat au sein de la ville. Donc ça peut être n'importe où, en tant qu'aide aux devoirs, dans les services culturels, voire sur la patinoire ou au service enfance. Ça peut être vraiment, il peut être éparpillé n'importe où. Et c'est un dispositif qui, mine de rien, a un réel succès. À chaque commission, à chaque appel à candidature, on en reçoit une trentaine, une quarantaine. Et à chaque fois, les places sont pleines à craquer. On a beaucoup de demandes. Les jeunes, même s'ils n'ont pas encore 18 ans, parce que oui, j'ai oublié de le préciser, mais il faut avoir 18 ans pour y être éligible, parce que sinon, forcément, on ne peut pas avoir ses permis. Mais les jeunes, même quand ils n'ont pas encore 18 ans, ils essayent vraiment d'entrer dans la démarche, etc. Ou sinon, on a beaucoup de jeunes ça va de 18 à 26 ans, et on a beaucoup de jeunes un peu plus âgés aussi qui se disent, c'est une bonne opportunité. 600 euros, c'est pas une somme sur laquelle on peut s'asseoir et pourquoi pas le faire. La contrepartie est moindre pour ce qu'on me propose. Donc voilà, c'est ce dispositif-là pas que j'ai mis en place, mais que je travaille beaucoup dessus. Et c'est très intéressant parce que ça nous permet vraiment de voir beaucoup de jeunes, beaucoup de personnes diverses et variées. Et surtout les jeunes, même les 35 heures de bénévolat, on se rend compte que souvent ils rencontrent d'autres jeunes de Mitry, ils socialisent, etc. Et c'est super intéressant.